Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, hier, Henrik est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris donc Valériane. Valériane, donc, a eu une question de bébé. Donc, si elle a une question de bébé, ça voulait dire que, bon, bah, il fallait qu'il parte. Hein. Donc, bon, bah voilà. Donc, Henrik a été éliminé. Bon, et voilà, il est parti avec 11 000 boules, on va pas pleurer, hein, voilà. Et il est arrivé, voilà, Laurent, le prof de philo, on a appris qu'il aimait scier, donc il va nous faire scier. Il aimait le slow, c'est un pro de l'île flottante, et quand il n'a pas le moral, il achète des pompes. Il habite dans le centre de Bordeaux, voilà, près de la place du Parlement. Il était venu avec sa cousine et ses tatas, voilà, donc il est très sympathique. J'ai vu sur internet qu'il y a des élèves qui étaient super étonnés et très contents de le voir. Donc mon prof de philo de l'année dernière, et le truc super rigolo avec Arthur, il a posté cette vidéo où on entend le prof de philo, donc Laurent, en train de lui dire: bon bah tu vas te manier le cul, t'es en retard pour le prof de philo, tu vas pas nous casser les couilles. J'ai trouvé ça très drôle. Je suis désolé, je peux pas mettre le son sur bon, parce que bon voilà, j'ai pas les droits, mais bon, j'ai trouvé ça super génial. Donc franchement, je trouve qu'il est super sympa. Je pense qu'il va rester beaucoup plus longtemps que Théo. Je pense que Théo a pas eu de bol. Je pense qu'il aurait dû rester un tout petit peu plus, mais bon, en duel, bon, pourtant le duel était difficile, mais bon, voilà. Donc des fois, les gens trouvent au pif, comme ça, tout simplement. Et puis j'ai vu qu'il était pas mal, comment dire, voilà. Donc il s'investissait beaucoup par rapport, là, bon, c'était un genre de manif qu'il faisait, donc, etc. J'ai vu qu'il avait aussi écrit un bouquin qui s'appelle Digression, ça n'a aucun rapport avec la digestion, donc voilà. Mais par contre, le bouquin est épuisé, peut-être qu'il va ressortir. Et puis, donc, bon, ben voilà, donc hier, il a gagné 1 000 balles. Donc maintenant, il y a un nouveau règlement. Donc, avant, c'est ce que je pensais hier. Avant, donc, c'était moitié pour lui, moitié pour le truc. Maintenant, ils font, je pense qu'ils vont faire une cagnotte, un peu comme tout le monde veut prendre sa place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il sera éliminé, ben, donc, la personne qui aura téléphoné, eh ben, pourra gagner la somme. Donc, je sais pas. Je sais pas s'ils sont gagnants sur ce truc. Donc, on verra bien. Bon, bah, sinon, pour finir, le t-shirt, qui philosophe? Vous avez Platon, vous avez Descartes, vous avez Nietzsche, et puis la poule. Pourquoi la poule? Parce que c'est la poule qui philosophe. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle! Tout ça sur le titre minant.com. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Bye bye.